L'idée force, c'est la protection, bien évidemment. Protection que l'on rencontre au cours des thèmes des quatre commissions. Les quatre commissions qui vont traiter de thèmes différents sur les loyers, sur l'héritage et bien évidemment sur les incapables tels qu'ils sont reconnus par la loi juridiquement, en traitant aussi la question de la zone grise. Et aussi le rôle du notaire dans cette protection. Donc c'est typiquement protégé, c'est ce que fait habituellement le notaire par les conseils qu'il donne, par les actes qu'il signe, par la sécurité qu'il procure, bien évidemment. Mais aussi c'est entamer une réflexion globale sur la protection, sur l'idée de protection, et qui est de se dire qu'on peut protéger mieux, peut-être en protégeant moins, aussi curieux que ça puisse paraître, parce que peut-être que trop de protection, parfois, peut arriver à se retourner contre celui qu'on veut protéger, tout simplement parce que si on fait des statuts trop rigides et trop protecteurs, eh bien, par exemple, on va peut-être assécher le marché locatif, ce qui n'arrangera certainement pas le locataire. Donc, c'est un peu l'illustration du proverbe « l'enfer est pavé de bonnes intentions ». Et ainsi de suite sur plusieurs thèmes que l'on va décliner, mais j'insiste bien sur le fait que chacun des thèmes va nous toucher, nous, personnellement, à la fois en tant que professionnel, en tant que notaire, et aussi à la fois en tant que citoyen. Parce qu'encore une fois, ce thème de la protection intervient dans notre vie quotidienne, au quotidien, et ce sont des thèmes qu'on va retrouver, qui vont parler à tous, et d'ailleurs je m'en rends compte avec les débats que j'ai eus avec mes confrères, non pas en tant que professionnel, mais également en tant que citoyen. Donc ça, ce sont vraiment des choses extrêmement importantes. Et puis la protection, eh bien il faut bien voir aussi qu'elle a un aspect économique. Et donc plus on va protéger, peut-être que ça aura un effet délétère sur l'économie. Donc tout ça, c'est un équilibre délicat qu'il faut absolument maîtriser. Nous allons nous y attacher. Nous ne détenons pas la vérité, bien sûr, mais au moins nous pouvons faire remonter des informations à ce titre. Et voilà tout l'enjeu du Congrès. Et je suis ravi de voir, avec les premières expériences que j'ai eues, que les débats vont être nourris et vivants. Et bien évidemment, l'idée n'est pas d'être forcément d'accord avec nous, mais au contraire, d'apporter son point de vue, sa vision des choses, sa contradiction, parce que ce sont des sujets éminemment personnels. Et je souhaite que tout le monde vienne.